remonte bien. Ah, je suis cramé. Cramé, je remonte. Do you have a bullet boom boom here, please? C'est histoire d'avoir des points. T'as des infos là à donner aux copains? Non. Putain, le... comment je peux oublier cette fenêtre? Chut! Bah, chut ta mère. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Pour Thatcherizer, encore avec le bug, il peut tout faire hein, s'il est pas trop con. C'est normal que je ne prends pas les pubs quand ça les annonce. Je ne sais pas. Tu sais, on a tous des ad bloqueurs. Hein. Des pubs sur Twitch, je sais pas. Oui, gars. 6-4, franchement, tu peux arrêter s'il te plaît. Oui, quoi? Juste parler. J'en ai marre là de t'entendre. Tu peux commencer toi? À faire quoi? Des frags. C'est pas. Waouh, la vanne. Ouais, ok, d'accord. C'est où la bombe? Welcome to the Salty Academy. Laisse-moi passer, je suis un professionnel. What? Stop, s'il te plaît, mec. Non. J'ai pas fait exprès. Tu regarderas la kill, la. Tu regarderas le truc, j'ai pas fait exprès. Ta gueule. Excuse-moi. Excuse-moi, s'il te plaît. Ouais, excuse-moi. Franchement, c'était juste un pré-shoot que j'ai fait et bah, tu t'es derrière. Ouais, c'est bien, t'as failli faire un kill sur la rune, mais bon, on a dit qu'on comptait pas les TK. Hein. Mary, le joueur français, avec toutes ses capacités intellectuelles, on va voir, il descend. Le drone à côté de lui? Non, beaucoup trop fort. La petite ligne! Oh, attention! Il a failli l'avoir, cette fougère! Alors que devant lui, on descend comme ça. Oh là là, Spider-Man, le mec a joué sur PS4, visiblement, il s'est dit, tiens, je vais rattraper ici, ça a l'air sympathique. Et il le défonce. Derrière, il n'avait pas l'information. Deuxième drone. Oh, quel aim, quelle prise de connaissance, d'information. Il y a tout dans ce kill de drone. La rotation est parfaite de la part de Mary, qui va essayer de backstab, alors que personne n'est passé, à mon avis, au niveau de la banane, mais ce n'est pas grave, peut-être que quelqu'un va arriver. Décalage à gauche, décalage à droite, on est un petit peu... Oh, évidemment, il va viser au niveau du lésion, le lésion qui était en train de tirer là-bas. Donc, il se dit, tiens, un lésion qui tire, c'est pas normal, visons vers l'endroit où il y a le lésion, au lieu de tirer à l'endroit où il pourrait y avoir les pistes sur lesquelles le lésion est en train de tirer, mais non, trop complexe pour lui. Il n'est que passif par rapport à tout ce round. Lésion est en train de faire le café, et derrière... Allez, peut-être un petit décal là. Oh, le décal est magnifique. Hein. On a vu tous les crosshair placements. On a tout fait. 1, 2, 3. Tout était nickel. Il serait mort à peu près 1000 fois s'il y avait eu quelqu'un. Mais ce n'est pas grave. 15 secondes à jouer derrière. Oh, la petite ligne à travers le trou qui n'apparaît pas. Merci Rainbow de nous gratifier de ce genre de features. Pour l'info. Et c'est du gros gameplay, et c'est gagné, bah oui. Et tout ça grâce à Bandit, magnifique round de la part de Bandit, merci. Pourquoi je peux pas mettre de mur là? IQ, Fnet, DPD, Windows. Oh putain de C4. Putain. J'avoue qu'il les lance bien, mec. Il était propre celui-là. Non, en revanche, Loulou, pas de oh putain, alors que je suis en train de. Que le mec est en train de me rusher à gauche. Hein. Non, mais il était mort. Non, il me fallait 2 cm de plus. Allez. Pour aller me mettre derrière le poteau. Exactement, je ne dis pas. Je ne dis pas. Oui, non, pas vraiment la même. Pas vraiment la même. Non, pas vraiment la même. Ouais. Vraiment. Et ça, c'est de la vraie mauvaise foi pour le coup. Ouais, ça, c'est sûr. Non, mais là, je pense que si t'avais pas parlé. Oh putain.
Non, en revanche, Loulou, pas de oh putain, alors que je suis en train de. Que le mec est en train de me rusher à gauche, hein. Oh, CCTV, so fun. It's ok. Je rentre. Non, 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 y'a un écho drone, y'a un écho drone. Essaye de le niquer, ce connard. Can you get the écho drone? What? C'est quoi cette. Cette plaque là? On voit plus les yep. Les deux drones qui se chase, vous avez vu ça? C'est trop drôle. Vas-y, j'y vais, nique sa mère. Vas-y, je suis dedans, moi. Putain, la smoke de merde. Mais poulet, je suis en train de planter. Vas-y, 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 plante. Je vais rentrer ce mois-là. Ouais, le drone, le drone déco, le drone déco. Allez, il va niquer. Allez. Je vais mourir, hein. Non, non, trop pas, c'est moi qui mourrai avant toi. Je suis cool. T'es un monstre? T'es mort? Non? Non, t'es un monstre. Non, non, je suis un monstre. Nice, guys. Voilà, mais quel magnifique game de ouf, quoi. Poulet, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses quand, même s'il y a la smoke, quand je suis en train de planter la bombe? Ah bah je me suis mis devant toi, mec. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en train de planter la bombe? Faire sonner. Ça, c'est l'un des éléments. C'est embêter l'adversaire, d'accord? Ah bah donc, mec, si... j'ai pas... J'ai embêté si, grave. Si t'es en train de faire sonner, si t'es en train de faire sonner, eh bien, si t'es à l'extérieur, par exemple, ou t'es en train de prendre une ligne, tu fais sonner, tu joues avec ton gadget. Imaginons maintenant que t'es plus tes gadgets et que t'es sur site, ce qui est un peu ce qui était en train de se passer puisque t'étais sur site. Qu'est-ce que tu dois faire? Te mettre devant le mec qui est en train de planter comme si t'avais un shield? Non. Mec, je... Non, c'est, tu t'en souviendras parce que j'ai pas énormément de cheveux sur la tête. Tu t'en souviendras. Il faut coiffer l'objectif. Tu continues le mouvement. Tu vas crever derrière l'objectif qui est en train de se faire planter. Possibilité 1, tu fais des kills et c'est génial. Possibilité 2, tu fais pas de kills, mais tu fais chier par exemple l'écho qui était en train de me faire chier, etc., etc. Donc au moment où ça plante, plutôt que de faire rien à côté de moi où on va se prendre un double C4, tu rush. Mec, je t'ai fait un kill. Tu rush. Non, non, mais c'est oui. Ce que oui, avancé. Non, je suis en train de dire. Vraiment méchant. Bien le rook au top. On n'est pas au top? Non, on n'est pas au top. Comment je me suis retrouvé au top? J'ai pas compris comment je me suis retrouvé. On sur site du coup, on site. Lui il meurt pas. Lui c'est, il a décidé. Chut, chut, je suis en train de jouer, un clutch. Mec, tu vas rien faire, tu pues la merde. Ah ouais, tu l'as pas entendu à droite? Voilà. Vas-y, attends comme ça 1 minute 33, on a que ça à foutre. Là. Tu le saoules là. Mais comment il meurt pas lui? Moi, non, là, il était au top. Putain, mais le son est pas bon. Ouais, il y avait pas de cam. La cam est full rouge, il y a pas de call. Ouais. J'avoue, putain, la cam du couloir était rouge et il y avait même pas de call sur le glaze. Mais ça c'est horrible, hein. Ça c'est horrible. Moi à chaque fois que j'y il reste un drone qui est à l'autre bout de la map. Ouais. Un drone. C'est un mytho. Qui est à l'autre bout de la map. Laisse tomber, il veut engrainer. Il n'y avait pas de cam. Ouais, il n'y avait pas de cam. Oh. Je dis qu'il n'y avait pas de cam, il n'y avait pas de cam. La cam du couloir, elle y était pas? Elle y était pas. Bah, on verra bien sur les replays. Hein. Ah, mais ça, c'est toujours pareil, de toute façon. Tu peux pas jouer à ce jeu avec des personnes qui sont égoïstes. Impossible. Faut savoir se donner. Dit-il, le mec, dès qu'il meurt, il va ailleurs. Comme ça, dès qu'il meurt, je vais ailleurs. Ouais, 90% de ton temps, mec, quand tu meurs, tu rages, tu te lèves, tu pars. Tu laisses les autres dans la merde. C'est rare quand d'instinct tu vas direct sur les câbles. C'est vraiment un mensonge. Un gros non, mensonge. Non, si, bah non. J'ai remarqué que t'étais un salaud. Ouais, d'accord, ok. Y'a un mec qui passe de la droite vers la gauche.
Remontre-toi, toi. C'est pas vrai, ce putain. Là, je rage. Allez, là, tu te casses, bah voilà. Et les cams, hein. C'est des drones, enculés. Y'a pas de putain de cam. Je suis allé vérifier, la cam était rouge. Ça marche pas. Merci Mary pour le mensonge de la caméra que tu n'as pas pris tout à l'heure dans le couloir alors que ça m'aurait bien évidemment. Le mec il veut embrouiller tout le monde, il est allé vérifier, non, ok super, c'est bah, pas fais vrai. Un screen. Fais un screen mec. J'en fais suis sûr et certain que cette cam n'a bah, pas été screen. Cassée. Bah, ouais. Ok, bah fais un screen. Voilà. Bah, fais un screen. Bah faites un screen. Fais un screen. Bah faites voilà. Un screen. D'accord, ok. Non, non, il a été vérifié. D'accord, ok, il veut embrouiller, nanana, super. Fais un screen. Ok. Non, mais faites elle un était screen. Rouge. De quoi? Rouge 100%. MDR, cette mauvaise foi. Faites un vous voyez, screen. Vous voyez avec qui je suis? C'est ça le problème. Et vous voyez, c'est ça qui est bien dans la Salty Academy où on apprend des trucs tous les jours. Le premier truc que vous apprenez avec la Salty Academy, ah déjà, c'est que Mary est un connard. Voilà. Et c'est surtout que l'habit ne fait pas le moine. On a toujours l'impression que 6-4, c'est le mec un peu prétentieux, etc. Bah, c'est que le mec prétentieux et pas c'est du un tout. Gros connard. Pas du tout. J'ai beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour pour les gens. T'es un pervers. T'es un pervers. T'es le genre de mec qui... Toi, t'es un pervers. Non, t'es un pervers. Toi. Mec. T'es un putain de pervers, mec. Toi, t'es un pervers, mec. T'es même plus qu'un pervers. T'es un pivert. Bougez pas, les amis. On va enfin avoir la vérité en live. Ça va vous rappeler quelque chose qu'il va y avoir autour de moi. Vous n'êtes pas prêts, j'ai envie de dire. Et le son... Non, il était au top. Putain, mais le son est pas bon. Bah non, le son... Non, il était au top. Je suis d'accord avec toi, mec. Putain, mais le son est pas bon. Ouais, y'avait pas de... On peut plus non, il était au top. Cette... Putain, mais le son... Sur cette couleur de caméra qui se trouve juste ici, là. Hein ça m'a l'air quand même plutôt rouge, hein. On est plutôt dans une couleur rouge. On est plutôt dans le rouge que dans le bleu ou dans le noir.